Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale, retour de course spécial Ramadan. Donc c'est un retour de course que je fais une fois par semaine pendant Ramadan. Ça va être tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Parce que j'ai fait un retour de course spécial Ramadan, un grand retour, vous savez, spécial, où j'ai besoin de légumes, de préparer tout ce qui est préparatif pour le quotidien, avec les farines et tout. Mais après, chaque semaine, je continue à faire des courses. Normalement, ces courses-ci ne sont pas censées dépasser plus de 60 euros, voire 70. Mon but, c'est d'acheter du jus, des fruits, des petits gâteaux, des petites choses où j'ai besoin pour mes enfants. Parce que bien évidemment, j'ai mes enfants qui n'ont pas encore l'âge de le faire à 100%. Pour l'instant, ils le font de temps en temps, mais pas à 100%. Et normalement, c'est pas censé dépasser 60 euros. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec des petites courses à 150 euros. Oui, oui, 150 euros. Ces courses-ci, en plus, ça ne va pas tenir une semaine. Je le sais, je le sens et je le vois. Mais voilà, les prix ont énormément augmenté, donc c'est un peu c'est tout dû à tout ce qui s'est passé entre la guerre, etc. Donc plus de farine, j'avais besoin de tablettes de chocolat pâtissière, plus du tout. Les seuls qu'il y avait, ils étaient à 4 euros. L'augmentation des prix, je me suis retrouvée, vous allez voir, avec des prix affolants. Il me fallait du chocolat en poudre, du cacao en poudre pour les gâteaux, pareil. Il n'y avait strictement plus rien. Du tout, voilà, j'étais dégoûtée parce que d'habitude je fais un stock de chocolat pâtissier parce que j'aime bien faire des gâteaux, etc. Pendant le Ramadan, c'est vraiment un petit kiff. Pendant le Ramadan, j'adore faire des gâteaux à la maison et là non, mais j'adore en manger, couper le jeûne avec un café et un gâteau. J'aime beaucoup, du coup voilà, tant pis pour moi. Du coup, je reviens avec ce retour de course un peu dégoûté. Il y a une tempête, il fait froid. Et en plus de ça, avec un retour de course à des prix affolants. En plus, j'étais au Lidl. Juste mon mari, avant, il me dit, tu te souviens à l'époque, on allait au Lidl pour 30 euros, on avait ça dit. Ben, à l'époque encore, déjà avant, mais là maintenant, c'est une catastrophe. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de frais, tout ce qui est frigo, tout ce qui est aux frais. C'est vrai que j'avais plus rien. Et tout ce qui est pour préparatif, hein, quand on fait des tartes, des quiches, etc. Voilà, voilà. Et puis, je vais vous montrer ça. Donc, dans un premier temps, je vous montre, j'ai acheté du fromage. Donc, vous savez qu'on est très friand de fromage quand on prépare des ftols. Donc, j'ai préparé, j'ai acheté le fromage râpé mozzarella, le fromage râpé alemental. Et le fromage râpé comté comme ça, celui-ci il est top pour les quiches. Et d'ailleurs pour des petites farces et tout, ça peut être intéressant. D'ailleurs au passage, il y a un fromage comme ça, je crois qu'il vient de chez Leclerc, qui a retourné. Faites attention parce qu'en ce moment il y a beaucoup de catastrophes dans les produits alimentaires. Ensuite j'ai pris du maïs comme ça. Donc ça c'est pour mes salades. Et d'ailleurs j'avais envie de salade, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Pour tout ce qui est briques et tout, j'ai acheté ça. Donc là, le kiri, et j'ai aussi acheté la vache kiri. Et je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai pris des fromages comme ça aussi pour les briques aussi. J'ai des recettes de briques avec la kufta. Je mets ça dedans, je trouve ça trop bon. Pour les salades, j'ai acheté les dés de gouda et des mimolettes. Et puis j'en ai un autre aussi pour les salades. J'ai acheté ça, elle est vive. En ce moment, ils sont en promotion. Je pense que la date de péremption, elle est presque arrivée à la fin. Non, ça va encore. Mais elle est en promotion. Je l'ai pris parce qu'elle déjà, elle est beaucoup moins chère que celle de chez Lidl. Et en plus de ça, faut savoir qu'elle fait super bien les chantiers, etc. Pour des desserts, elle est top. Vraiment, elle est géniale. Riz basmati en ce moment, pareil, rupture de stock, du coup j'ai pris en paquet comme ça. J'ai pris le doux crémeux cœur et tendre, hein, c'est un bon fromage et en plus on aime bien manger au sohoul un peu de fromage. Et je vous ai dit, j'ai pris de la vache qui rit pour tout ce qui est recette ramadan. J'ai pris du brie aussi, il y a pas mal de recettes aussi intéressantes à faire avec.
toujours des dés d'emmental. J'ai acheté ça pour faire mes petits croissants. J'ai aussi acheté du beurre parce que je cuisine beaucoup avec du beurre. Une semaine, etc. D'ailleurs, ça devient très cher. J'ai acheté ça pour mon petit déjeuner. C'est de la marque Bjork. Et c'est des fours au chocolat. Et c'est pas très calorique, on va dire. Et il y a beaucoup moins de sucre. Voilà. J'ai pris cela, des Oreos qui s'appellent les Néo. Pour faire des tiramisu pour les enfants. Quand ils font Ramadan, ils adorent que je leur fasse des desserts style tiramisu. Et puis j'aime bien leur faire plaisir quand ils font Ramadan. C'est un peu pour les motiver. Du coup, j'en ai acheté pas mal pour leur en proposer. J'ai acheté du citron bio pour faire des citronnades. Pour l'instant, c'est pas trop la saison avec cette fraîcheur, mais ça va. J'ai acheté des raisins pour les enfants, des kiwis aussi pour les enfants. J'ai acheté cette tomate. Alors, quand j'ai tanké, j'ai dit à mon mari, les tomates, ils ont augmenté, ils sont à 3,80€. Il me dit, en plus, elles sont moches. Il m'a tout de suite dit ça, il m'a dit en plus elles sont pas top. Et en gros que j'ai pris des petites tomates toutes pourries, elles ont la taille. Il m'a dit c'est des tomates cerises, je dis non c'est des tomates normales. Et ouais, ça a augmenté. Ainsi que le saumon, je l'ai eu pour 4,29€. Encore il n'y a pas très longtemps il était à 3,80€ ou 3,60€. Donc ça a augmenté. Pour des mini croissants fourrés, ça revient cher le mini croissant. J'ai acheté une salade hein, avec la roquette. Franchement la roquette c'est trop bon les filles. Franchement ça passe trop bien. J'ai acheté pour le matin, mon mari m'a dit il veut du pifidus pour manger ça le matin tranquillement. Il m'a dit c'est bon en plus pour la digestion. J'ai acheté des fraises pour faire deux jolis desserts. Bon il est pas top hein, mais c'est ce qui restait parce qu'il y en avait un, c'était encore pire. Mais sinon mon deuxième... il est plutôt pas mal, mais je dois les faire tout de suite, très rapidement. Sinon, ils vont vite pourrir. J'ai pris des raisins aussi comme ça. Franchement, mes enfants adorent les raisins. C'est vraiment... ils aiment ça. Ils les mangent comme s'ils mangeaient des bonbons. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'en acheter assez souvent. J'ai pris ces petites nouveautés. C'est des chips comme ça. Et pareil, c'est si les enfants... je sais qu'ils me demandent des fois un petit truc en plus... quand ils vont faire le Ramadan, du coup le soir je leur fais un petit plaisir, un petit bol de chips, etc. juste pour leur faire plaisir. Et comme ça ils continuent à tenir le coup. J'ai acheté des yaourts à la grecque, ça fait longtemps que je devais l'acheter parce que en fait j'aime bien faire les pâtes, les nanes, etc. Et ça se fait avec des yaourts à la grecque. Alors j'ai acheté une petite nouveauté en boulangerie. Donc des fois faut pas avoir honte. Des fois on n'a pas envie de cuisiner. Et franchement chez Lidl... il y a de quoi faire, franchement. Donc vous avez des petites madeleines fourrées au chocolat noisette. Ça a l'air trop trop bon. Du coup, en bonne meuf qui fait les courses pendant qu'elle a faim, elle a craqué et elle les a pris. Ensuite, on a pris des croissants aussi pour le fold, des petits pains et des croissants. Et on a pris les torsades comme ça aussi pour le fold. Ou pour le petit déjeuner des enfants. Après, souvent, on garde pour le lendemain. Les enfants ils petit-déj avec. On a acheté des pizzas comme ça, donc soit pour les enfants, soit pour nous. Celle-ci, c'est une tuerie. J'adore l'épice qu'ils mettent dedans. Ils sentent trop bon. Et pareil, ça va être pour le phtôle parce que comme j'ai fait les courses, moi bon, je vais faire des petites choses, mais pas autant. Et j'ai pris, c'est la même chose. Et j'ai pris aussi celle-ci à la margarine. Donc ça va être pour le phtôle. C'est sûr, ça va pas être pareil que ma pizza personnelle, mais des fois ça fait. C'est sympa en plus, leur pizza est pas mal du tout. Pour des desserts, j'ai envie de tester la charlotte aux fraises ou autre recette avec des biscuits cuillères. Et ceux-là, ils sont trop trop bonnes. En plus, j'ai le moule, je crois qu'il faut. Je suis pas sûre. Non, je crois pas. Mais bref, je verrai avec quoi je vais faire. Mais je vais faire un bon dessert. Je l'ai déjà en tête. Toujours une petite salade. Après, on va manger du café parce qu'il reste plus grand chose en café. Toujours des chips pour les enfants. Pour le goûter, ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'acheter des compotes parce que je leur ai acheté beaucoup de compotes. Et j'ai acheté des jus d'orange. Donc, j'ai acheté des jus d'orange à la clémentine. Du multifruit comme ceci. La pomme pêche abricot.
Voilà, on a acheté plein de jus pour Ftor le soir, tranquille avec un jus. Moi j'aime bien, ça me fait du bien de manger, de boire un jus d'orange au Ftor. On dirait ça me réveille, c'est bizarre mais ça me réveille. J'ai pris plein de pâtes feuilletées, brisées, etc. pour tout plein de recettes et des recettes que je vous partagerai. Et puis j'ai acheté tout ce qui est cuisson, feuilles de cuisson, papier sulfurisé, film fraîcheur et papier alu parce qu'il m'en restait plus. Et ça, on en a besoin pendant le ramadan. C'est un truc de dingue, tout ça. Ça et ça. Et ça. Et pour les enfants, j'avais emballé des choses dans le papier alu pour emporter avec eux, genre des briques, des choses comme ça, des gâteaux, etc. Et j'ai pris des bananes aussi et de la tomate pelée pour ma harira. D'ailleurs, je vais faire une harira là très simple. Et c'est tout, hein. Franchement, c'est tout. Donc voilà pour. Et j'ai acheté du lait et du cajoline parce que j'avais plus d'assouplissant et j'en avais besoin. Donc voilà pour tout ce que j'ai pris pour 150 €. Je suis un peu choquée encore, je suis trop choquée. Non, je suis trop choquée les filles, c'est quoi ces courses qui coûtent un bras quoi. C'est là où on se rend compte qu'on a vécu une période où tout allait bien, on se posait pas de questions et tout, et du jour au lendemain peut-être qu'on va se retrouver avec des rayons sans, qui seront pas approvisionnés, avec des choses en moins. On sait pas ce qui nous attend, je vous avoue que ça fait un petit peu peur parce que vraiment on n'est pas prévenu, ça vient comme ça et on sait pas encore ce qui va se passer par la suite. Parce que souvent on nous dit que peut-être ça va être pire par la suite. Donc ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. Mais bon, on verra ce que ça va, où on va aller. C'est sûr que ça va peut-être nous réveiller par rapport à notre surconsommation depuis quelques années. Et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai qu'on a changé notre train de vie. Il est un peu différent. Et peut-être que c'est un peu pour nous réveiller. Je sais pas, mais j'en conclus comme ça. Donc c'était le moment philosophique de chez Aziza Beauty Family. Mais voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit retour de course vous aura plu. Vous voyez à peu près, je prends toujours à peu près la même chose chez Lidl. C'est toujours les mêmes produits, les mêmes fromages, le même jus, les mêmes choses, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que on se retrouvera. Du coup pour d'autres vidéos du ramadan, donc comme dit une vidéo par jour tout le mois du ramadan, inchallah je vais tenir le coup, jusque là ça va, on a réussi, j'ai fait un loupé, mais comme dit on va essayer jusque inchallah et vous proposer plus d'idées recettes rapides et express à faire, simples et très très bonnes et délicieuses, parce que chez moi c'est pas trop compliqué, hein, c'est... Voilà, j'aime bien faire des recettes, voilà, mais j'aime bien trouver aussi de bonnes astuces pour vous faciliter le quotidien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !